Bonsoir à tous. C'est un numéro spécial de l'émission Lecture que je souhaite vous inviter aujourd'hui. Spécial d'abord par son jour de diffusion, spécial également par son contenu. Je voudrais en effet vous emmener à la rencontre d'un homme, d'un prêtre, d'un parcours, d'un destin exceptionnel. Monseigneur Paul Etoga, évêque émérite de Mbalmayo. J'ai écrit ces deux livres pour laisser un mémoire à ceux qui restent après moi, après ma mort. C'est un souvenir de ma vie et c'est aussi un souvenir pour la vie chrétienne. Le texte de son autobiographie publié en novembre 1995 dans une relative discrétion nous offre l'opportunité de nous rapprocher de cet homme dont on nous a parlé si souvent. Premier évêque noir, premier évêque d'Afrique francophone, premier évêque camerounais par-dessus tout. Il est fondateur de diocèse comme d'autres étaient fondateurs d'empire. Le portrait est signé Suzanne Ngonlepna. Une demeure propre, vaste et simple. Un octogénaire à l'image de cette concession dont la vie se résume en quelques mots, la foi, le dynamisme et la discrétion. Alors que rien ne prédisposait cet adepte de l'école buissonnière à une vie épiscopale, même pas ses moments passés auprès des prêtres comme domestiques durant son âge tendre, un événement capital va se produire dans la vie du jeune Paul Etoga. À 16 ans, il abandonne le rêve d'entreprendre une carrière de fonctionnaire dactylo pour suivre le Seigneur. Des 13 enfants qu'auront eu ses parents, seuls son grand frère, Feu Abbé Okala Albert, et lui seront les élus de Dieu. Que des preuves vaincues, ni la rudesse de la vie religieuse pendant sa formation, ni les affectations dans les régions enclavées, ni les difficultés financières ne vont ébranler cette volonté tenace de servir Dieu et les hommes. Et c'est grâce à son énergie débordante et à sa foi profonde que Monseigneur Paul Etoga va entrer dans l'histoire. Le 30 novembre 1955, il devient le premier évêque noir du Cameroun, le premier évêque noir d'Afrique centrale et le premier évêque noir d'Afrique francophone. La responsabilité est grande et difficile. Le pays vit des troubles politiques. Le nouvel évêque camerounais est accusé de complicité avec les indépendantistes. Une fois de plus, Monseigneur Etoga va s'imposer grâce à son acharnement au travail et grâce à sa fidélité, à ses convictions. Mais les voies du Seigneur sont insondables. Une nouvelle mission l'attend, fonder le diocèse de Mbalmayo. Pour Monseigneur Etoga, le rayonnement de ce petit diocèse, comme certains l'appellent, est un défi à relever. Mais une idée le hante depuis longtemps, la formation des prêtres camerounais. Pour réaliser son projet, Monseigneur Etoga retrousse les manches, fait la quête auprès de ses amis italiens et allemands. La moisson est abondante et le séminaire Saint-Paul de Mbalmayo voit le jour. En 1986, ayant atteint l'âge de la retraite, l'évêque de Mbalmayo tire sa révérence aux scènes religieuses. Commence alors une vie faite de discrétion. Discrétion dans la poursuite de l'exercice de son ministère sacerdotal, mais discrétion et dignité aussi face à l'ultime combat qu'il mène depuis plusieurs années contre un diabète récalcitrant. Entouré de sa famille, à 25 mètres du séminaire Saint-Paul, dans un environnement modeste reposant, le premier évêque camerounais continue tant bien que mal à célébrer des messes dans sa chapelle domestique. Malgré l'âge et la maladie, l'homme plie mais ne rompt pas. Toujours la même force de caractère, les mêmes réflexes d'un intellectuel. Suivre le journal à la télévision ou à la radio, mais surtout garder un bureau avec un coin bibliothèque qu'il fréquente régulièrement. Cette opiniâtreté à l'activité manuelle, intellectuelle et spirituelle lui a valu plusieurs distinctions. Mais aujourd'hui encore, elle lui vaut toujours une admiration de la part de ses cadets et des nombreux jeunes de sa famille. Des jeunes qui raconteront à leur fils autour du feu qu'il était une fois un fils de païen natif de Lon, promu premier évêque noir d'Afrique francophone et qui choisit pour armoiri deux lances, symbole de la force dans le combat, un palmier, signe d'apostolat fructueux, et une souche d'arbres représentant la résistance et la solidité. Malgré de nombreuses entraves, il ne faillit pas à sa mission. Paul Etoga est un personnage d'une épaisseur remarquable. Son sacre, place de l'hippodrome à Yaoundé, le 30 novembre 1955, fut, nous dit-on,
un événement majuscule. Le ministère qui a suivi, ministère de pionnier, de précurseur dans le sacerdoce, de formateur de prêtres, d'encadreur du peuple de Dieu, de pasteur tout court, son épiscopat, puis le long ministère qu'il a exercé, en ont fait un personnage mythique du catholicisme et plus généralement de la chrétienté au Cameroun. Je l'ai connu étant très jeune à travers mes parents. Lorsqu'il a été ordonné en 1955, on nous l'a présenté comme vraiment le premier évêque camerounais. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est sa simplicité, sa force de caractère, qui aura été pour l'ensemble des Camerounais un modèle qui aura motivé toutes les autres familles camerounaises, à savoir que on ne peut pas seulement faire carrière dans la politique ou dans l'administration, que vraiment à travers l'Église, on pouvait aussi s'épanouir et avoir un nom. Je dois dire que Mgr Paul Itoga, c'était un monument historique et je me sens tout petit de pouvoir donner un témoignage sur lui. Nous sommes arrivés au petit séminaire à Valmeyeur donc en septembre 68. C'était une période assez difficile. Les conditions de vie étaient très modestes. Mais nous avons pu bénéficier de sa présence, de son soutien. Je me souviens que pratiquement tous les soirs, on pouvait le voir passer parmi nous, s'arrêter pour causer avec un groupe et continuer à dire son chapelet à travers les champs de caféiers qui étaient là tout à côté. Et quand il venait pour nous rendre visite officiellement, c'était des moments d'une grande prédication, du sens qui allait vers une exigence de qualité. Et à cela, nous pouvons dire que le petit séminaire de Balmayo a vraiment formé des gens de qualité à tous les niveaux. Certains sont devenus prêtres, d'autres sont engagés dans la vie civile, mais le niveau intellectuel, civique, moral était vraiment d'un très haut niveau par rapport au ton que Monseigneur voulait que cette maison puisse avoir. Je l'appelle mon fils, c'est-à-dire mon neveu, et il m'appelle mon oncle, car sa maman de la famille, Madame Kounou, et tous nos frères le considèrent comme leur fils, il est leur fils. Monseigneur est une grande figure qui aura marqué notre famille. C'est un homme qui a su préserver ce qu'on appelle tradition, saine tradition. Monseigneur est pour nous une forte personnalité qui, déjà en lui-même, constitue un programme. C'est-à-dire les valeurs morales qu'il communique, sa simplicité, même quand les choses sont très graves. Et son espérance, c'est un homme qui communique l'espérance. C'est ce qui fait en sorte que chacun de nous considère qu'il reçoit beaucoup et qu'il a beaucoup reçu de Monseigneur. Pas tout simplement en tant qu'évêque, mais en tant qu'homme. Parce qu'il savait rassembler, il sait toujours rassembler, même à son âge, il sait rassembler tous ceux qui sont autour de lui et même accueillir celui qui ne connaît pas. Et c'est le mettre en confiance tout de suite. Passer quelques 15 minutes avec Monseigneur, c'est comme si vous connaissiez depuis. C'est un homme qui brise tout de suite la crispation et qui vous remet en confiance. Comme évêque, quand on l'a détaché pour fonder Mbalmayo, je dis bien fonder, c'était en 1961, il n'y avait rien dans Mbalmayo. Et à l'entendre, il n'a rencontré que des dettes. Cela ne l'a pas découragé du tout, au contraire, il s'est mis au travail en disant « Dieu pourvoira à tout ». Et dans sa vie, on sent toujours que son point d'appui principal, c'est le Seigneur. Il n'a pas d'argent, tant pis, le Seigneur y pourvoira. Si on voulait vraiment parler argent en tant que tel, il n'aurait jamais bâti le séminaire. Il a dit « Tant pis, je vais commencer ». Il a commencé, ça a continué et le séminaire est là. Et nous avons déjà des prêtres issus de ce séminaire. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est cette foi. J'ai pu le rencontrer parce qu'il était camarade de promotion de l'oncle de ma mère, l'abbé Kouma Mathias. Alors ceci m'a facilité le contact du temps où il était
évêque auxiliaire à Yaoundé. Et bon, il connaissait bien mes parents, et puis bon, ça m'a rendu la tâche facile. Il dit que c'était un père qui avait un art très consommé de l'écoute. Et je me rappelle d'une chose qu'il m'avait dit en Ewondo. Il dit, bon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en débat dans la case à palabre. Donc, il n'y a pas de cause désespérée en tant que telle. Il y a toujours moyen de négocier. C'est un des souvenirs que j'avais gardé de cet entretien à Rue Le Mont en 1975. Il y a toujours de l'humour en lui. Par exemple, il ne dirait jamais que je suis évêque de Mbalmayo. Il dira, ah, je suis évêque de Mbalmayo. Et tout le monde se met à rire. Il a toujours à remettre certaines expressions à leur place. Et tout de suite, ça détend l'atmosphère. Et c'est toute sa vie qui est comme ça, c'est-à-dire un homme très profond, mais dans ses apparences, un homme très jovial, même dans la difficulté, au moment où tout semble aller mal, c'est toujours lui qui défie la difficulté et qui nous présente un autre aspect des choses. Monseigneur se résumerait dans sa vie intime, c'est-à-dire dans son acception, dans sa façon de s'exprimer, comme un homme qui réussit toujours à ridiculiser la difficulté et à présenter une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus vivable. Son grand souci d'avoir des prêtres a failli lui faire des folies. Il suffit de regarder le séminaire Saint-Paul, n'est-ce pas? C'est une grande bâtisse qui lui tenait à cœur, non pas en tant que bâtisse, mais du fait que lors d'un de ses voyages en France ou en Europe durant le concile, il y a un évêque qui lui avait dit « Faites vos prêtres vous-même et aucun évêque ne peut vous donner un de ses meilleurs prêtres. » Alors je sens qu'il a bien retenu ça. Et la façon dont il se débattait pour avoir ce prêtre à lui l'a montré. Je ne peux pas le cacher, je suis un de ces prêtres qu'il a ordonné. Monseigneur Graffin a créé dans le diocèse d'Mbalmayo et y a envoyé son évêque auxiliaire, qui était justement Monseigneur Paul Etora. Mbalmayo n'était pas un diocèse, c'était une partie du diocèse de l'archidiocèse de Yaoundé. Donc, Monseigneur y allait en pionnier. Et à ce titre, vous pouvez vous imaginer, ce n'était pas facile. Aucune structure n'a été préparée pour accueillir un diocèse. Il a fallu donc y croire et se mettre au travail. C'était ce premier évêque camerounais qui fondait un diocèse. Et à cette époque, je pense que les moyens financiers et humains devaient certainement être difficiles à trouver. Mais ce que nous avons pu voir, c'est que Monseigneur Paul Etora a pris ce travail à cœur. Quand nous sommes arrivés en 68, donc 7 ans plus tard, on a trouvé un travailleur méthodique, courageux et persévérant. Je peux raconter cette anecdote. Monseigneur venait de construire un très beau lac derrière le petit séminaire, qui était un lac qui grouillait de poissons de tout genre. C'était pour nous le lieu de promenade. Mais on ne sait pas par comment cela a, à un moment donné, cédé. Et tout ceci est allé à volo. On s'attendait à le trouver effondré, diminué, un peu comme résigné. Mais non, le travail a continué patiemment, avec espoir et espérance. Et c'est cela que, je crois, caractérise un peu son action. Je le vois comme tous les fidèles le voient de loin, ou en nous prêchant la parole de Dieu. Ce qui m'a beaucoup marqué en lui, c'est sa simplicité, son effacement. Parce que c'est quelqu'un, quand il s'est senti un peu fatigué, il n'a pas voulu garder vraiment le trône éternellement. Il s'est trouvé un jeune, un coadjuteur pour qu'il continue à nous évangéliser. Ça qui m'a beaucoup marqué en lui. Et pourtant, il est encore debout, malgré qu'il marche avec une canne. Mais sa simplicité, il a ressenti cela et il s'est retiré. Moi, je suis né quand il venait d'être nommé évêque, le premier évêque du Cameroun, donc j'ai presque l'âge de son épiscopat. J'ai voulu lui ressembler, c'est pour cela d'ailleurs que je suis allé au séminaire.
Il n'y a pas que lui, il y a lui et ses cousins. Il y a Monseigneur Kounou qui est mort. Il y a l'abbé Okala, son grand frère Albert Okala qui est mort également. Mais nous sommes nombreux tout autour qui le suivons dans la voie qu'il a choisie. Pas tout simplement sacerdoce pour le sacerdoce, mais l'homme dans ce qu'il peut être, dans ce qu'il peut communiquer et dans ce qu'il peut représenter pour les autres. Monseigneur Itoga est un monument chez nous. Depuis 1986, Monseigneur Paul Itoga mène une retraite tranquille et pieuse en Balmayo au séminaire Saint-Paul qu'il fonda en 1962. C'est là que nous sommes allés le trouver et c'est là qu'il a accepté de nous accorder un entretien de bon cœur malgré son grand âge. Dans l'interview qui va suivre et que je vous invite à écouter attentivement, il confie à Emmanuel Mbédé les raisons de son attitude, de son écriture aussi. Il dit pourquoi pour lui il était important de commettre ces lignes de sa vie. J'ai écrit ces deux livres pour laisser à mémoire à ceux qui restent après moi. Après ma mort. C'est un souvenir de ma vie et c'est aussi un souvenir pour la vie chrétienne. Puisque nous sommes chrétiens, j'ai pensé laisser ce petit mémoire sur la vie de Christ, sur la vie chrétienne. Je crois que c'est important pour ceux qui veulent vivre chrétiennement d'avoir quelques éléments sur la vie de Christ et pour le suivre, non pas seulement pour lire, mais pour imiter la vie du Christ. Oui, Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé pour écrire ces deux livres? Ils vous ont pris combien de temps et vous avez commencé à les écrire quand et comment vous travaillez? J'ai commencé depuis que j'ai donné ma démission comme évêque de Balmayo. Ça fait déjà à peu près 10 ans. 10 ans, effectivement. Alors j'écrivais, une pensée venait, j'ai marqué, et finalement, j'ai trouvé que c'était déjà assez pour ces deux livres, ma vie et la vie chrétienne. Et vous, vous êtes, c'est vos amis allemands qui vous ont aidé à éditer ces livres-là? Non. Les Allemands m'ont aidé pour l'imprimature. S'ils n'avaient pas donné leur secours, je n'aurais pas pu faire des livres sans argent. On ne peut rien faire. Et donc, pour ma vie, ce sont les Allemands, la vie chrétienne, ce sont des Italiens qui m'ont aidé aussi. Ce sont des prêtres allemands et italiens? Oui, oui. Qui sont vos amis que vous connaissez depuis? Oh, vous êtes amis. Amis, oui. Moi, je n'ai pas d'amis, j'ai des connaissances. Ce sont mes connaissances qui m'ont aidé à éditer ces deux livres. Dans votre autobiographie, vous parlez, vous racontez tout votre parcours, de votre naissance, les origines de votre famille, jusque à ce que vous considérez comme les douleurs et les consolations que vous avez eues. Comment vous avez fait pour sélectionner les parties que vous deviez traiter dans ces livres-là? Comment choisir? Quand on a une histoire, vous racontez cette histoire, ça sort comme de soi-même. Comment j'ai fait pour
en certains moments, quand vous parlez par exemple de votre sacre, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous dites juste quelques mots sur votre sacre. Vous ne développez pas. Pourquoi vous n'avez pas voulu raconter plus sur par exemple, votre sacre ou sur votre ordination? Vous parlez plus des autres aspects, mais quand c'est pour parler de vous-même, vous vous abstenez. Oh. Il vaut mieux que vous-même, vous parliez de moi, que de moi à vous. Comment m'étendre sur le sacre? Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Les cérémonies ou bien quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est par humilité, parce que vous ne vouliez pas parler de vous-même, que vous ne vous êtes pas étendu là-dessus? Oh, humilité, c'est une vertu. Et je ne l'ai pas. Alors, j'ai raconté la chose tout simplement. Sans penser à l'humilité, sans penser à quoi que ce soit. Monseigneur, on constate également que lorsque vous arrivez sur un chapitre particulièrement douloureux, l'assassinat de Monseigneur Kounou et de l'abbé Materne, vous ne dites rien là-dessus et vous préférez reproduire un article de Cameroun Tribune. Vous avez, pour des cas pareils, il m'est très difficile de m'étendre sur les détails d'une affaire comme ça. Je n'ai pas voulu écrire ou décrire cet assassinat. Tout le monde l'a appris. Et ce n'était pas la peine que je m'étende. D'abord, sans connaître ceux qui ont fait la chose, je ne les connais pas. M'étendre à décrire comment ça s'est passé, je ne peux pas. Ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Et moi, personnellement, j'avais été l'accompagner dans une conférence des évêques. Nous étions rentrés le 29. Moi, j'étais curé à Mangamo, une paroisse de Brousse. Je lui ai dit, ben, mon soeur, moi, je rentre dans la paroisse. Il dit, mais non, demain, c'est mon anniversaire. Il faut quand même que vous m'entouriez avec les autres prêtres. J'ai acquiescé. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Finalement, je suis resté. Mais voilà que le soir, assez tard dans la nuit, on vient m'annoncer le décès d'une de mes chrétiennes qu'il fallait aller enterrer. J'y étais, voulant rentrer de grand matin. Effectivement, je n'ai pas pu rentrer assez tôt de grand matin. Je suis arrivé à Mbalmayo. La messe était déjà commencée, la messe d'anniversaire. Nous ne voulons pas aller déranger au cours de la messe. J'ai été m'asseoir sur mon bureau parce que j'avais un bureau là concernant les problèmes de développement. C'est là que le cuisinier est venu me dire, monsieur l'abbé, je ne comprends pas. L'abbé Jean Koun ne s'est pas encore monté depuis le matin. J'ai été regardé, il y a du sang sur la porte. Je n'ai rien compris. En tout cas, je me suis précipité là-dessus. Effectivement, il y avait du sang sur la porte. Les portes bloquées. En regardant par les persiennes, j'ai constaté qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Finalement, aidé d'une infirmière qui venait souvent donner des soins à l'abbé Koun en ce moment-là, nous avons cassé la fenêtre et c'est là que j'ai découvert les deux corps, Jean Koun et puis Materne Bikwa, côte à côte. Ils avaient été assassinés dans la nuit. Alors il fallait se maîtriser pour que la messe qui était en train de se dérouler ne soit pas perturbée. Et c'est à la fin de la messe que mon soeur a pu venir constater ce malheureux fait le jour de son anniversaire. Il s'est vraiment montré chrétien, comme Marie au pied de la croix. Il ne s'est pas affolé, il s'est maîtrisé. Mais je sens qu'à l'intérieur, vraiment, ça n'y était pas. Non seulement l'abbé Kounou était son prêtre, comme Materne Bikwa, évidemment. L'abbé Kounou était aussi un cousin éloigné dans la famille. Alors, tout cela l'a ébranlé, mais il n'a jamais perdu la tête. Je crois que ça vient de la foi qui était très forte en lui.
Est-ce que vous pouvez dire que c'était l'événement le plus triste de votre vie? Qu'est-ce que vous pensez vous-même? Cela, il arrive une chose qui arrive comme ça, votre oncle et puis votre prêtre. Mais quel sentiment voulez-vous que j'ai en ce temps-là? C'est sans doute parce que vous ne vouliez pas aussi retourner un peu comme le couteau dans la plaie, que vous n'avez plus parlé de ça. J'imagine que c'est toujours très douloureux pour vous d'aborder un sujet aussi difficile. Oui, c'est très pénible de se rappeler des faits pareils et surtout les mettre par écrit. Je ne peux pas. Dans votre livre, vous terminez par des consolations. Est-ce qu'on peut vous demander, de toutes ces consolations-là, quelle est la plus grande? Est-ce que vous pouvez lisez-moi quelque chose. Dans la partie sur joie et consolation. Oui. Vous racontez le nombre de missionnaires que vous avez formés. Et après cela, vous évoquez certains souvenirs de vos années de retraite. Il y a des témoignages là-dedans. Il y a des choses qui vous ont marqué, comme Monseigneur Vogt, vous racontez qu'il ne déchirait jamais des enveloppes, qu'il était un exemple d'économie. Et d'autres histoires comme ça. Bon, qu'est-ce qui, positivement, dans votre vie, de ce point de vue-là, vous a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui est votre plus grande fierté dans la vie? Vous-même, en lisant ces faits-là, vous pouvez trouver ce qui était plus frappant. Non plus que je recommence à lire. Lisez et vous-même, vous trouverez ce qui était plus important. Ce qui était plus frappant dans le livre. Oui, moi, j'ai écrit. C'est à vous de lire maintenant et voir que ceci, mon sœur et toi, voulez être frappé de ce fait. Cela n'est pas important pour qu'il le rapporte. Alors, c'est à vous, le lecteur, de trouver que ceci était très bien, ceci était mal, ceci l'a frappé. Monseigneur, dans votre livre, dans votre vie, quand on lit ce livre, on se rend compte que vous êtes parti, vous êtes né en 1911, à une période très difficile. Vous avez connu beaucoup de difficultés. Quand vous avez été nommé prêtre, vous avez connu des tracasseries, comme vous appelez, avec les gens du gouvernement qui vous dérangeaient de temps à autre. Souvent, vous avez même frôlé la mort à l'époque lointaine où vous étiez prêtre, où vous devez faire de grands déplacements. Mais vous ne parlez pas, vous n'accordez pas apparemment une grande importance à ce phénomène, à la mort dans votre livre. Parler de la mort? La mort. Vous voulez que je m'étende sur la mort ou bien les effets de la mort? Comment vous appréhendez cela? Parce que dans votre livre, vous choisissez d'ignorer la mort, alors que pendant tout votre cheminement, elle a été présente. Est-ce que pour vous, est-ce qu'elle a marqué votre vie? Est-ce que vous pensez à elle? Est-ce que elle a influencé votre façon de vivre? La crainte de la mort. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est à vous, le lecteur, qui lisez le livre, et voyez que mon sœur et toi passent sur la mort, comme la mort était une simple chose. Je sais que la mort
notre passage de la vie terrestre à la vie d'avenir, la vie éternelle. Pourquoi m'étendre à parler d'une chose que le bon Dieu a arrangée comme il a voulu? Moi, je ne peux pas. Si je m'étais mis à écrire sur la mort, ce serait autre chose. Moi, je ne fais que raconter en passant sur la mort. Ce qui m'a frappé, rien ne m'a frappé, parce que la mort, nous l'attendons tous. On va passer par là. Si je m'étais mis à écrire sur la mort, ce serait autre chose. C'est une histoire qui passe sur les affaires, sans considération. Je n'ai pas considéré la mort comme quelque chose qui vient m'attaquer. Pour cela, vous pourriez me demander ce que vous avez fait pour échapper. Non, je n'ai pas voulu faire ça. Monseigneur, dernière question. Ces deux livres, vous les adressez d'abord à qui? Le titre vous dit la chose. Mon autobiographie, il s'agit de moi, de parler de moi-même. Le deuxième, il s'adresse à tous les chrétiens. Vous me demandez à qui vous vous adressez-vous, à qui? Mais je m'adresse à tout le monde. Le livre de Paul Etoga, par ceux qui l'ont lu, nous avons interrogé quelques personnes sur cette initiative, sur son contenu, sur le ton de l'écrivain. Est-ce bien, en somme, le livre qu'il fallait écrire par Mgr Etoga aujourd'hui? Voici quelques témoignages recueillis par nos soins qui sont édifiants de ce point de vue. En lisant cet ouvrage, moi j'ai reconnu l'homme. C'est un homme de foi, c'est un homme, comme vous l'avez dit, qui est très simple et qui est très direct. Ce qu'il dit, il le dit sans artifice, et je crois que je mettrai plutôt ça dans l'ordre du témoignage. Il nous aide à voir ses premiers pas, enfin, déjà dans la formation, au petit séminaire, au grand séminaire, ses premières expériences comme prêtre en zone généralement rurale, les petites difficultés de compréhension ou même de divergences par rapport à ses confrères qui étaient majoritairement religieux et spiritains. Mais enfin, bon, je peux dire, c'était un mal nécessaire, mais vu par lui, dit par lui, c'est pas catastrophique. Et puis bon, en homme de paix qu'il est, bon, il s'est toujours tiré le meilleur parti des situations qu'il évoque. Moi, je suis resté très, très accroché sur cette détermination et ce sens du devoir qui le maintient debout et qui le permet de passer à l'étape suivante sans se laisser abattre par les événements. En lisant le livre, je n'ai vu que la confirmation de ce que je croyais savoir et qui s'est avéré vrai dans les faits. Autrement, je n'ai remarqué aucun élément nouveau, sinon que je l'ai davantage découvert en profondeur. Ce qu'il manifestait extérieurement, c'était vraiment ce qu'il vivait également à l'intérieur, comme prêtre et surtout comme évêque. Dans mon ouvrage, là, je le cite comme témoin et je m'appuie sur ce qu'il dit,
comme quelqu'un qui a été aux premières loges de des difficultés et des premières joies d'un pays neuf, d'une église qui fait ses premiers pas d'autonomie. Et je pense que son expérience s'étant centrée dans l'ancien Nyon et Sanaga, et lui-même étant un peu un ancien qui est riche de sagesse, je peux dire que c'est une plaque tournante qu'on ne saurait éviter. J'y reviens toujours pour comprendre un peu avec sa sensibilité, avec son âge, avec son expérience, ce qu'il en coûte de recevoir l'évangile et de pouvoir le réexprimer pour l'homme qui vit à Yaoundé, en brousse ou en campagne. Nous devons le remercier pour l'avoir fait, pour avoir mis par écrit une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Et je pense que la génération que nous sommes et celle qui viendra pour nous trouvera certainement là un document d'abord historique, un document d'un témoin qui traverse tout le siècle et qui peut nous dire avec fiabilité tout ce qui a caractérisé les débuts de l'Église dans ce pays et même l'histoire sociopolitique de ce pays. Et en outre, au-delà donc de ça, je crois qu'il nous raconte l'itinéraire pastoral d'un Africain, d'un prêtre diocésain qui est arrivé à la dignité épiscopale et qui a su mener cela avec foi et beaucoup de méthode. Monseigneur nous laisse là, dans ce document, des exemples fort, fort importants pour tous ceux qui veulent connaître l'Église du Cameroun, ses débuts, ses difficultés, et apprécier au mieux les réalisations actuelles. C'est aussi important pour tous les pasteurs, car aujourd'hui encore, on peut dire que l'histoire semble recommencer. L'annonce de la mission va devoir se faire dans un contexte de plus en plus difficile. Et l'on a tendance à se décourager en se disant « il manque des moyens, il manque des hommes, il manque beaucoup de choses pour réussir la mission ». Mais justement, le livre de Monseigneur vient à propos pour nous montrer que de son temps, c'était encore plus difficile. Alors les jeunes générations, prêtres, laïcs et autres personnes qui veulent s'engager dans l'œuvre de l'évangélisation, devons trouver là un exemple de persévérance, de courage apostolique et je crois de joie à travailler pour l'annonce de l'évangile dans un contexte difficile. Monseigneur Paul Etoga, évêque de Mbalmayo, mon autobiographie, 82 pages, textes et photos publiés en Allemagne. Pour terminer cette émission, je vous invite à découvrir quelques pages, textes et dessins également. C'est signé Angelbert Mvain et ça ne pouvait pas mieux tomber pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'à l'occasion du 25e anniversaire du sacre de Monseigneur Paul Etoga à Mbalmayo, l'homélie de ce jour-là avait été prononcée avec une puissance par Angelbert Mvain que nous regrettons aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que, comme vous le voyez, nous achevons la semaine sainte et il était opportun effectivement de voir le chemin de croix d'Angelbert Mvain qui publie ici « Si quelqu'un ». Le titre de cet ouvrage est à lui tout seul un programme, car souvenez-vous, c'est Jésus-Christ qui, parlant à ses disciples, leur disait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et me suive ». Angelbert Mvain, lui, a imaginé un chemin de croix en dessinant toutes les stations. Jésus qui est condamné à mort par Ponce Pilate, Jésus qui est chargé de la croix,
Jésus qui fait une première chute, puis rencontre sa mère. Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. Une femme pieuse essuie sa face. Jésus tombe une deuxième fois. Puis il console une femme en pleurs sur le chemin de croix. La troisième chute de Jésus, il est dépouillé de ses vêtements qui seront placés pour être joués. Et puis sur la croix, et puis enfin sa mort après qu'il ait appelé son père au secours. Ça se termine évidemment par le corps de Jésus qui est remis à sa mère avant sa mise au tombeau. Voilà donc ces textes-là qui aussi sont accompagnés de poèmes qui ont beaucoup de souffle, qui ont beaucoup de hauteur, qui ont également beaucoup de points de ralliement, car cet ouvrage est d'abord un ouvrage de lyrisme, mais également de foi, d'érudition et de science, où l'on retrouve notamment des références à notre Afrique, car Angèle Bienvenu est d'abord chrétien, mais il est également profondément africain, et cela se voit à travers ces poèmes, ces beaux poèmes qui sont consacrés à la passion de Jésus-Christ, qui est en fait notre parcours aux uns et aux autres sur cette terre. Que je vous conseille également, si vous le voulez bien, la lecture de « L'Église est-elle nécessaire ?». L'ouvrage est de Paul Niaga, c'est un prêtre du diocèse de Douala. Il est préfacé par Christian Toumé qui en a donné l'imprimature. Il pose la question du statut de l'Église comme institution aujourd'hui. Est-ce que le salut des hommes passe nécessairement par le truchement d'une Église? Certains pensent que non, que leur rapport avec Dieu peut être direct, sans médiation aucune. D'autres pensent qu'il faut absolument passer par l'Église qui est, comme vous le savez, le chemin, la vérité et la vie selon la Bible. Le débat est engagé. En tout cas, c'est ce livre est édifiant de ce point de vue. Achille Mbalaki, que nous avons vu au cours de ce programme, vous propose la pastorale dans une ville d'Afrique. La pastorale dans une ville d'Afrique. L'ouvrage est sorti en fin 1995. Il est le fruit d'une expérience d'homme de terrain, mais également d'un théoricien de la parole de Dieu, si on ose dire, qui montre sur la base, n'est-ce pas, de sa propre expérience de pasteur, comment aborder les communautés religieuses en zone urbaine. Voilà le menu que nous avions pour vous pour ce numéro de lecture. Je vous remercie de votre aimable attention.